niveau-là. Avant que la vidéo elle commence, je viens de regarder mes analytics YouTube là, et j'ai vu que 80,3% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, pour commencer, pense à cliquer juste en dessous, à t'abonner à la chaîne YouTube, et surtout à cliquer sur la cloche de notification et bien à cocher toutes les notifications pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo top 5. Au bout de l'arme. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera les bébés nés avec des petits problèmes. Les bébés qui sont mal branlés. Aujourd'hui, découvrons l'histoire de 5 bébés mal foutus à la naissance. Le premier, il s'appelle Benz. C'est un bébé hongrois qui est né en fait, il était tout blanc. Quand je te disais qu'il était tout blanc, il avait les cheveux blancs, les sourcils blancs, il était tout blanc. Alors, c'était pas non plus un bonhomme de neige, j'arrête de dire ce que je t'ai pas dit. Quand tu vois un bébé qui naît, il a les cheveux tout blancs, première chose, tu te dis « Yeah, ouais, ouais, Ardoubila, ça va être un bébé albinos. » Les parents, là, ils peuvent se dire « Plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me sortir des... » Un truc gazouvoise. Sauvage! Sauvage! Sauvagerie! Sûr, tu vois ça, t'es pas rassuré du tout. Beaucoup d'inquiétude et une prise de sang plus tard, en fait, le bébé, il a juste rien. Ça arrive qu'il y a des bébés comme ça qui naissent avec des petites anomalies génétiques en fait de pigmentation à leur naissance et qui petit à petit en fait disparaissent. Dans pas longtemps, le bébé va avoir les cheveux qui vont foncer, tout va bien, on est sauvé, on n'a pas créé un nouveau carrage criminel. T'avais aussi un mec qui s'appelait Tiki Boss. Kuluna, Kuluna, négro, je vais pas te fumer ta carrière, je vais te fumer ta vie. What the fuck? Un bébé sauvé. Au suivant, deuxième histoire, deuxième bébé, on va parler de Mylon, né le 7 octobre... Attends, il est né quand en fait? Ah ouais, il est né le 7 octobre 2019, c'était il y a pas longtemps, et il est né avec une atrésie de l'œsophage. C'est le bébé de Jessica Tivon. Non, on va passer à un autre. Force à eux, ça doit vraiment pas être facile. Courage. Le vrai deuxième bébé maintenant, il s'appelle... on ne sait pas. On sait pas, mais bref, la gestation normale d'un bébé dans le ventre de sa maman est de... normalement plus ou moins 9 mois. Voilà, moi je suis sorti avant, c'est pour ça que je suis un peu déglingué. Peut avoir des bébés à 8 mois, peut avoir des bébés à 7 mois, c'est chaud, ça s'est déjà vu. Tu peux accoucher à 6 mois, peut arriver à accoucher à 6 mois, mais pas à 5. Là on va parler d'un bébé qui est sorti du ventre de sa mère à 5 mois et demi. Voilà, voilà. Il pesait 268 grammes. C'est plus léger que ma Switch, à un moment donné. Même au resto, je prends une côte de bœuf, elle fait 400 grammes, et à un moment donné... C'est honteux! Eh ben ce bébé, il a survécu. Il est quand même resté 5 mois en unité de soins intensifs. En fait, du coup, bah, les 5 mois pratiquement qui lui manquaient pour terminer sa gestation, il les a terminés hors du ventre de sa maman à l'hôpital. Il a survécu. Alors s'il est sorti en 5 mois et demi, c'est pas juste parce qu'il a dit « savoir, je veux voir le dehors, je sors ». Non, c'est juste parce qu'en fait, le bébé a eu un arrêt de croissance, on sait pas pourquoi, dans le ventre de la maman. Ils ont procédé à une césarienne, ils l'ont sorti, comme ça, il rentrait dans la main. T'imagines, c'est mignon, tu fais tout le tout. Et une fois sorti du ventre de la maman, il a repris sa croissance. Voilà, voilà. C'était donc un nouveau record du monde. Suivant. Allez, troisième cas, cette fois-ci on va pas parler de un, mais de deux bébés, plutôt deux enfants. Alors, ces deux filles, elles sont pas nées avec un problème de santé, un problème physique, rien du tout, tout va bien. Mais là, il y a un truc plutôt marrant qui s'est passé. La maman, américaine, blanche, blonde, aux yeux bleus. Jusque-là, tout va bien. Le papa, lui, est américain, mais d'origine jamaïcaine. Plutôt foncé, du franciès, cheveux noirs, yeux noirs. Jusque-là... tout va bien, le mélange, tout ça, n'est-ce pas? Les deux font des bébés, et en fait, du coup, c'est des jumeaux qui sortent. Oh, deux bébés pour le prix d'un. Qu'est-ce qu'on est content! Double couche, double manger, double pleurs, double... Jusque-là, l'histoire semble près normale. Sauf que là où c'est marrant, c'est que... il y en a une, c'est Marcia, il y en a une, c'est Millie. Elles sont jumelles. Elles sont nées en même temps. Il y en a une qui est sortie blonde, blanche, les yeux bleus, et une qui est sortie renoir. Foncé, les yeux noirs, cheveux noirs, tout. Mais c'est des jumelles, donc elles ont la même gueule. Mais juste qu'elles sont
pas de la même couleur. Et c'est là, ça a créé un débat, la notion de race n'existe pas, machin, machin, nanana, ces deux sœurs, elles sont jumelles, elles n'est pas de la même couleur. C'est une particularité, c'est marrant. Bah écoutez, quoi pas, il y a une maman blanche, un papa noir, un bébé blanc, un bébé noir, chacun le sien. Voilà, pas de jaloux. Bon bah, et puis avec les années, en fait, elles se ressemblaient pas. On a appris que c'était des faux jumeaux, des fausses jumelles. Du coup, c'est normal qu'elles se ressemblaient pas. Donc du coup, c'est normal qu'il y en ait une qui peut être blanche et une autre noire. Parce que c'est des faux jumeaux. Allez, quatrième bébé. Âme sensible, s'abstenir. Il y a rien de dégueulasse, mais ça peut être un petit peu particulier pour celui-ci. Pareil pour le numéro 5 d'ailleurs. On va parler de la maladie de Crouzon. Savoir qu'il y a un bébé qui est né avec la maladie de Crouzon. Elle s'appelait Cadence. 27 hearts beat. On va faire la cadence de tir élevé. On voit sa tête derrière, c'est pas ouf. Elle est née avec une tête en forme de trèfle. On va dire qu'elle a une tête de fleur. Et donc du coup, en fait, son cerveau qui était dans la branche du haut du trèfle pouvait pas grossir. Du coup, elle risquait d'avoir des problèmes de croissance. 2-3 coups de bistouri, il opère, elle survit. Et elle a toujours une tête bizarre. Mais son cerveau va pouvoir grandir. Inch'Allah, c'est ce qu'on voulait. Voilà, c'est à peu près tout. Et le cinquième bébé, alors là, c'est pas un bébé en particulier, c'est une maladie qui peut arriver à la naissance. C'est bizarre. On les appelait les bébés du diable. Ou alors encore les bébés harlequins. Vu leur apparence, je te mets une photo. T'as vu, c'est bizarre. Mais on connaît plus en France le terme de bébé collodion. Qu'est-ce que c'est? C'est un bébé qui naît avec la maladie qui est l'ichtyose congénitale. L'ichtyose, en fait, c'est une maladie où on voit sur les vieux, beaucoup ils ont les mains super sèches, un peu craquelées, etc. Mais ça peut arriver que les bébés ils naissent avec ça. Ils sont nés, ils sont déjà vieux. T'imagines pas? Sauf que là, c'est un stade qui est quand même bien plus élevé. Et en fait, la kératine qu'on a dans les cheveux et tout, c'est une hyperkératinisation de la peau. Donc du coup, le bébé, il va naître comme ça, en fait, avec une espèce de carapace de tortue ninja, mais sur tout le corps, et toute craquelée, etc. C'est pour ça qu'on voit des petites fissures rouges, pareil au niveau des yeux, etc. Mais il y a des gens qui survivent, hein, y a des adultes qui grandissent. C'était des bébés collodions, ils sont devenus des adultes collodions. Voilà. Il n'y avait pas grand chose à dire non plus, mais au moins vous avez appris qu'est-ce que c'est que le bébé collodion. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors bien entendu, c'est un personnage que je joue. Bien entendu, je ne suis pas un espèce de connard qui va me moquer des gens. Hein, dans les anciennes vidéos top 5 que j'ai pu faire sur la chaîne, c'était également le cas. Je préfère le préciser parce que effectivement, on peut avoir l'impression que je me moque, que je rigole, que je raconte des blagues, etc. C'est normal. C'est vraiment le principe de ce genre de top, un petit peu nul, un petit peu putaclic, mais qui en fait est là pour essayer de vous apprendre des choses, même si je fais un petit peu le débile, hein, on est d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai un QI bien plus élevé que la personne, enfin que moi-même qui ai parlé juste avant dans la vidéo. Il n'y a absolument aucune moquerie, tout va bien. Si la vidéo vous a plu et si vous voulez enfin le retour des top 5 comme celui-ci sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en lâchant votre plus beau pouce bleu, un maximum sur cette vidéo pour que je puisse voir si vraiment ça vous intéresse. Voilà, c'était Narco. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!